Je suis Meryl Kugola, président de la COP One. Donc, elle a été créée en 2017 par l'initiative de la province. La COP One, c'est une coopérative de fruits et légumes. Aujourd'hui, nous sommes 12 producteurs. Dans les 12 producteurs, il y a des agriculteurs qui sont certifiés Bio Pacifica, et d'autres en agriculture responsable et d'autres non certifiés. Les productions de la COP One, c'est du maraîchage, de l'arboriculture, des cultures vivrières, donc essentiellement. Quand je dis maraîchage, on parle de tout, courgettes, concombres, choux, et arbos, voilà. Oranges, mandarines, pamplemousses, un peu de tout. La COP One, elle appartient aux coopérateurs. On a un conseil d'administration, comme toutes les coopératives. Donc, l'objectif de créer une coopérative, c'était de regrouper des agriculteurs pour faciliter, on va dire, la commercialisation. On a une commerciale qui fait son boulot, qui valorise nos produits au maximum. Nous, producteurs, nous nous déchargeons de cette commercialisation. La COP One a un rôle aussi de planification qui permet, nous, producteurs, de planter pour avoir une meilleure diversité au niveau des productions et aussi en fonction des besoins. C'est aussi l'accès à de nouveaux clients. Un point fort aussi, c'est au niveau financier. Donc, on n'attend pas 90 jours, voire 120 jours pour être payé. Un des points forts aussi de la COP One, c'est la mutualisation des transports qui facilite l'acheminement de nos produits à notre dock qui est situé à nos mers. Dans le cadre du projet, nous avons aussi fait un atelier au sein de la COP pour ressouder le socle commun des coopérateurs. Mais on a aussi eu un échange avec l'Union des coopératives de métropole, mais aussi des échanges avec la Polynésie française. Aujourd'hui, la COP One a besoin d'être accompagnée fiscalement et juridiquement, pour, comme toutes les autres coopératives. Pour que la COP évolue, il faut qu'on recrute de nouveaux coopérateurs. La COP One, elle est ouverte à tout le monde, à tout agriculteur, qu'il soit certifié agriculture responsable ou Bio Pacifica ou non certifié. La COP One peut accueillir de nouveaux agriculteurs bio, parce que le marché a besoin de diversité et demandeur de produits bio.